Parce que les amis et Lipton Ice Tea, c'est au soleil qu'on en profite le plus. Délicieusement rafraîchissant et gorgé de soleil. Lipton Ice Tea, du soleil à partager. Je veux pas dire que ça va pour causer avant. Causez-toi. Moi, toi. Allez, vas-y. Allez, commencez toi. Vas-y, toi. Allez, ok. Bon, j'espère que vous passez un bon week-end. Et la soleil, son titre, nous amène. J'ai enlevé mon maillot. Yes, mais est-ce qu'il te l'amène tes serviettes? Non. Yes. Il est dans ses audits. Ça aime nous garder ça. Nous viens les audits. Nous viens. Galodine. Avant qu'il noie Caledine, bon, je te connais. On aime bien commencer la journée en mangeant. Et bien sûr, Père Moulin, il invite nous manger un petit affaire, prendre un petit déjeuner qu'on va pas prendre sur place. Non. On le prend en takeaway. Et après, nous, pour enjoy ça, quand on arrive dans Caledine. Allez, mon bébé, m'arrive. En attendant, on va prendre quelque chose à Allez, manger. Allez, on va choisir. Il y a du choix. Estelle, qu'est-ce qu'on a de prévu comme ça? Qui va en une de nous? Alors, nous allons faire voir pour montrer. Attends. Ta-da-da! Tu dois expliquer c'est oui, quoi? Oui, bien sûr. Croissant béchamel avec du jambon à l'intérieur. Et ça, ça béchamel qui est dans là. J'ai hâte que tu goûtes. Ah, tu connais déjà? Ouais. Parce que moi, je connais. Elles sont tisantes. Son mari, ouais. Après, ici. Le côté un peu plus sucré, ok. Wow! Cannelé, croissant, pain au raisin, chocolatine, chouquette. Enfin, on a pris vraiment un petit mix parce qu'on a très faim. Et ici, nous prenons un petit jus frais. Jus frais, alors orange, pomme, ananas, gingembre. Il connaît à quel point. Et il y a ça, grenade, ananas, gingembre. Et celui-là, c'est quoi? Mix, c'est pour moi. Ok, ben, tu peux prendre celui-là, Estelle. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. Nous pas un full team today. Manish n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est en congé de maternité. Et aujourd'hui, on a Denis qui est avec nous. Donc, on va partager ça avec tout le monde. Grenade, ananas, gingembre. Pomme, ananas, gingembre ou orange, pomme. Orange, pomme. Et toi? Grenade. There you go. Vous voyez la différence entre Christophe et moi? Moi, il choisit, c'est ça, c'est pour moi. Il lui potage, après, il prend le dernier qui reste. Souvent, me dire, l'éducation, c'est une affaire très, très importante. Et là, tu veux qu'à pas venir à grand, grand degré, mais peine à l'éducation. Bon appétit, Estelle. Bye, laisse. Allez, allons goûter ça. Je pars. Non, mais bon! Je sais, dans... tu as goûté là, non, c'est bon. Dans mon jus, je sais qu'il y a de la betterave, de l'ananas, de la pomme, gingembre. Ah, il m'en est plus rappelé, mais il y a un mix de un peu tout et c'est super. Alors, on est à Butaleb. C'est la première fois qu'il me vient là dans ma vie. Deuxième fois pour moi. Ouais, tu es déjà venu ici. Je peux pas, trop loin le sud. En fait, il m'arrive de Dibaza, c'est marée tranquille. Je crois que c'est une des plages les plus tranquilles que moi m'en aller. Et c'est top, c'est paisible, tu n'entends rien, tu n'entends que les oiseaux. On peut nager. Un petit bateau. Oui, on peut nager devant. Tu peux nager, mais. Ça a l'air bas. C'est basse quand même. Quoi? Goûte ce que tu vas manger là. Sans le chocolat même, c'est marrant. Bon, maintenant ils ont rajouté du chocolat dedans. En fait, c'est un financier avec du chocolat à l'intérieur. Ça. Zut. C'est bon, c'est pas bon. Pas bon. Bon. Bon is an understatement. C'est on dirait un paradis dans une bouchée.
c'est Marie Mégabo. Le financer tout seul même, c'est bon. Maintenant, avec les pépites au chocolat, là, c'est une explosion. Je connais très bien Pain et Moulin, c'est normal. Mais j'achète chez Pain et Moulin bien souvent, Cuffy. Bonne cliente. En tout cas, les gars, tu ris. Allez, fumer la place du moule manger tranquille. Je crois que c'est fini. Vous pensez c'est fini. Tu es naïve. Mais on dit encore. Il y a le Kim. Il y a beaucoup le Kim. Oui, parce que c'est fluffy et ça a le goût de fruit, c'est le Kim. C'est pas les ouvelles, l'île, elle a de... Non. Genius, Estelle. Non, je ne sais pas. Mon légume a giclé. Est-ce qu'on dit mon légume ou ma légume? Je dis légume, pourquoi? Tu fais dans le, là, légume. Est-ce que je vais boire ça, là? Bien sûr, parce que c'est méga bon, ça aussi. On ne partage pas son Kim. Assez. Comment ça, je vais aller au bureau tous les jours? C'est un bonheur de travailler avec moi. Dis à Chalem. Chalem, tu... Non, oui. Chalem et Marie heureux de travailler avec moi. Je n'ai pas plutôt aucune réaction au final. Estelle! Hein? Qui fait ton bureau de la guerre? Quoi, c'est pour toi ça? Ton bureau de mettre la guerre en challenge avec moi. Non, je veux juste savoir. Si c'est challenge. Toi, tu es le boss. Si c'est challenging de travailler avec moi. Juste Chalem qui a la réponse. Chalem? Est-ce que c'est challenging de travailler avec moi? Je prends ça pour un non. Je prends ça pour un bonheur. Ben, on a fini, c'est à but à l'herbe. Et ben, on n'a pas fini. On n'a pas fini à manger. Manger. Il y a beaucoup à faire rester dans sa boîte. Allez, pas beaucoup. Il y a 3 trucs qui restent. On va garder ça pour plus tard. Mais merci énormément à Pain et Moulin. Ouais, et c'était tout, trop bon. Tout le temps, comment dire, nous mangeons là-bas. C'est tout le temps une belle surprise. Et c'est la qualité en bouche. Vraiment, c'est la qualité en Franchement, bouche. Franchement, ça va un petit déjeuner qui se gagne là-bas. Là, ou un gâteau qui se t'en veut manger durant toute la journée. Mais goûter après, je dis à nous autres-mêmes. Là. Astelle, nous tu tout commencé vrai, même dans Calodine, là, vous êtes. Allez, vite. La main derrière, là. Nous pouvons joindre un petit monsieur qui s'appelle O'Brien de la compagnie Let's See, qui pour amener Estelle avec moi pour une petite excursion. Nous préférons montrer eux. Bien sûr, là, nous pouvons attendre Estelle pour comprendre. Estelle se change dans la voiture. Tout en bizarre attendre Estelle, malgré qu'il nous en retard. Qu'est-ce que ça, écoute? Non, mais belle des mosses pour habiller dans le dos derrière. Faut que c'est fait tout rentrer, etc. Ouais. Mais c'est bon, tu as ta crème solaire? Non. Est-ce que tu as serviette? Non. Serviette? Tu as linge de rechange? Linge de rechange, oui. Au moins, j'ai pensé emmener le maillot aujourd'hui, vous êtes. La dernière fois, j'avais oublié. Well done, Estelle. Allez. Là, j'ai le Brian. Jeter et c'est là que nous excusons pour commencer, mesdames et messieurs. On a un joli bateau qui est là et on est avec l'équipe de Let's See aujourd'hui. On va aller justement à la rencontre de O'Brien. Tu peux dire O'Brien? O'Brien, il me paraît là. Ouais, correct? Correct. O'Brien, pas tout seul? Et O'Brien et Marie Grand. Avec Anawel. Enfin, on travaille ensemble. Salut Anawel. Avec Anawel qui est là aussi. Si je te pensais, moi, mon grand... Guette O'Brien à côté. Guette O'Brien à côté, mec. T'as eu mon Brian nez à côté. Que tu vas nous promener aujourd'hui, O'Brien? Allez, bien, à chaîne d'île de le lagon, super joli, la plage est top. Ouais. Allez. Ben, si je t'en veux faire un snorkeling, découverte, il y a des îles là-bas. Allez. Nous, mon grand, nous guette en faire une sales aujourd'hui. Hein? D'accord. Ouais. Allez, enfin, nous guette. Nous guette, mais nous parer pour toi. Nous parer, ouais. Nous aller. Allez.
plaisir de se retrouver au soleil, en mer, l'eau est chaude, c'est trop beau. Ouais, ça fait marie longtemps de ne pas être sur le ski, en fait. Marie longtemps de ne pas être fan d'activité nautique. Malheureusement, ouais. À cause du cyclone, le temps n'était pas top, il n'y a pas eu Covid. On n'a pas été très chanceux. On a eu Covid, d'ailleurs, belle démos. Nous pouvons louer des histoires là, c'est pour nous aujourd'hui. Tu peux louer base là pour nous déjà? Ouais, moi, comme ça, moi, j'ai un contact, moi. Ah. Moi, j'ai un contact, si vous êtes perdu de contact, vous êtes, voilà, Christophe Salambert. Et moi, tiens, moi, j'ai un problème après. Et Marie paisible. Ouais, alors, on vous dit déjà qu'est-ce qu'on a prévu. Enfin, on n'a pas prévu, c'est O'Brien qui mettait un petit programme pour aujourd'hui. On va faire une petite excursion. Donc, on arrive ici. Nous avons l'option d'aller sur une deuxième île. Mais pas on essaie de nous guetter les temps. Nous guetter comment la journée aller. On doit aller faire du snorkeling aussi. On va faire snorkeling. On va déjeuner. On va déjeuner. Fait avec beaucoup d'amour par son compagne. Voilà. Et nous pas difficile à manger, mais nous comptons manger. Nous connaissons. Est-ce que nous avons dit qu'il nous fait manger? Non, pas de Stella. Allez, j'ai pas de Stella. Mais mon collègue, c'est pour qu'on t'en ramasse là. Il vous m'arrive. Allez. Mais si vous avez envie d'aller au BNH, ben contactez O'Brien Ratna de Letty et il pourra m'aider d'un check ce qui est chaud, plus simple. Pas téléphone-moi. Ça m'a une trace qui est d'en bas là. Ça ressemble un peu à des traces de, je sais pas, un petit serpent, soit une couleuvre. Ou bien, non, couleuvre là. Mais. mais il n'a. Ouais, pas dire ce nom, ouais, pas dire ce nom, faut crasser des fois. Non, tu as l'impression qu'en tout cas, ramper. Mais c'est marie ça peut pas être un pneu. Moi, je pensais que c'était une natte, mais il y a les mêmes. Vous savez qui grandit une natte là été. Et après, il y a l'enceinte. Vous êtes, si nous pas fini ça tourne en ça. J'ai envie de dire qui nous contente. Merci, Merci, vous êtes si beau. Pendant tout le long. Merci. Un dernier s'il est tôt, ça veut dire une belle. On finit là. On finit ici. Il aime. Marie exagérée. Vraiment, moi, la crème, c'est Estelle, ben justement, profites-en pour dire à nos internautes pourquoi ici ça s'appelle l'île OBNH. Allez, c'est à toi. Ouais. Vous êtes pas connaissez, tu peux gagner tracas au cas où ça aurait été le dernier un petit détour. Non, Christophe, toi qui tu peux exagérer, pense pas tu peux gagner tracas pour nous, je pense. Ouais, allez, right. Mais pas gagner tracas. Nous pour rester en vie, mesdames et messieurs. On a résolu l'énigme. C'est bon. Scooby-Doo! Alors, qu'est-ce qu'on a résolu, Estelle? Alors, d'abord, nous touchons à l'aime avec Denis, puis Gittens a fait. Ah, mais c'est quoi ça? Ben l'homite, alias soldat. On en a vu un, on s'est dit, ah, mais il est trop mignon. Et puis, on a vu tous les Ben l'homite auto qui sont en train de bouger et marcher. Pour les coups, il faisait tout Ban Rose qui nous dit croit qu'il est en bas, c'est pas Ban Rose. Ouais. Et ça fait un peu peur. Et quand tu es au loin, au fait, c'est natté avec ça. Ça fait légèrement un petit peu peur. Mais ils sont mignons seulement, regarde là. Et ouais, c'est eux-mêmes qui laissent sa mantrace là. Et il fait son petit chemin. Ah, je vais pas attraper. Ouais, laisse tranquille. Tu viens dans sur la case, tu viens te rappeler. Tu viens tous les. Allez, ok, ok. Heureusement, mon coupe aux ongles. Ah, Yogi, ça pousse Christophe là. Vous êtes, est-ce qu'il me pousse vilain? Envoyez la réponse en commentaire. Je vous ai fait un zoom, un gros zoom. Moi, trop mal pied. Moi, trop mal pied, Marie, dis-moi. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal. Pousse la pétrole. Alors, nous ne fait que demander Estelle. J'ai dit, Estelle, est-ce qu'on est précieux parce qu'il nous pémosse dans la savane? Avec nous savate. Avec nous savate, voilà, ok. Qui pour nous c'est normal, nous avons une mètre savate. Et après, il y a Denis avec Ekchalem. Ekchalem, c'est bon, c'est Ekchalem, c'est bon. On devrait faire de catwalk.
Bah, tu boules boules, bébé, dans ton lit, bébé, ouais, on dirait comme ça. Bézo pouka, moi, c'est là, comme ça, là. Et nous, nous, correct, nous. On sorti dans les cides. Nous sommes d'Albion. Des deux, on sorti d'Albion. Après, dire ah, il y a boule piquant, boule piquant. Et trappe ça, deux. Nous sommes en train de faire la visite de l'île au Bénage, il fait beau, tout va bien. Sauf qu'il a, nous arrivons à une bout de la place, qui nous a un peu choqués en fait. Ouais, parce que... beaucoup choqués même. Ça se voit que ça nous a fait de la veille, ça. C'est, pardon, c'est pas plus loin que ce week-end-ci, ça. Donc, bah, du monde, il a une faire une fête. Je ne connais pas, je ne sais pas qu'on amène un bin bag avec eux pour amener tout le détritus qu'ils ont amené ici. Donc je décide de garder ça ici, là. Voilà. Et en pensant qu'il y a le dimoun pour venir ramasser. Pour venir ramasser ça. Franchement. C'est horrible, en fait. Hein. Il y a de tout là, en bas. Et c'est rempli. Mais quand on vous dit rempli, c'est vraiment rempli. Loin. Ben voilà, sur quelques mètres, quoi. Aïe, vous êtes arrêté de faire ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si j'avais un bin bag, moi tu pourrais ramasser, mais on pas l'amener, mon père non. Parce qu'il me connaît qui bande affaires qui nous pas amener, nous pourrait tourner avec nous. Ah, je suis sincèrement merde ça. Pouf. Alors, parce que l'équipe de One TV nous là et c'est vrai qu'on vient pas ici souvent. On était assez choqués par quantité détritus, saleté qui est dans un partie en particulier de l'île et je ne comprends pas comment les gens sont capables de venir là et quitter les affaires en place. O'Brien, une petite question. Est-ce que c'est responsabilité des gens qui viennent ici? Est-ce que c'est responsabilité des skippers qui permettent d'être ici? C'est responsabilité qui s'en a? Les deux. Les deux, merci. Oui. Mais les gens qui peuvent amener les visiteurs ici? Oui. Je bizarre là man sac aux autres pour capable ramasser de bonnes affaires. Je bizarre capable dire aux bons clients qu'ils ont bizarre ramasser de bonnes affaires, non? Bien sûr. Le problème c'est je ne finis amène toujours de bonnes affaires. Je mange, je bois. Quand je ne finis consommer, quand je pourrais retourner à la maison, je quitte tout là même. Mais après que ça n'a tiré ça là? Et là, je quitte ça là, personne ne va venir. Avant, tu n'as man man garde forestier, man quelqu'un qui décote l'environnement, tu peux venir. Ouais. Mais depuis un bon époque, même avant Covid, pas de très trop autres encore. Et là, j'ai eu l'île d'homme, mais depuis ici, je n'ai pas trop autres du tout. Tu peux dire, moi, tu es là comme ça, c'est comment dire, tu es un bout en particulier, tu en viens mettre ton client. Ouais. Là, toi, tu as besoin de nettoyer sa bout là. Exactement. Pour te faire service à ce bout là. Oui, tout le temps, tous les jours, c'est un travail, comment on vit dans l'île, c'est quelque chose qui besoin de faire. Vous êtes, je n'ai pas trouvé aucune logique là-dedans. Si je permets, je peux envie enjoy la nature en famille, en camarade, cousin, whatever. En plus, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit, mec. Si je envie enjoy, laisse-les pour les autres du monde qui peuvent venir. Après, garde-les propres comme je ne trouve. S'il vous plaît, si les skippers qui peuvent apporter ça à du monde, ne dis pas que tu ramasses les bonnes affaires, au retour. Voilà. C'est plus facile. Ça veut dire que tout le monde, c'est sa responsabilité. Ouais. Mais malgré tout ça, un petit problème là. On va visiter encore un petit peu et après, bientôt, là, on arrive là pour nous manger. Comment j'enchaîne facilement? Ouais, ouais, mais pour manger quand même, moi. Allez, venez. On va faire une petite trompette, même pas nager, c'est parce que c'est assez bas ici. Faire une petite trompette, après ça, nunana. Et après, ben, elle est là. Ok, Estelle est bien à l'aise, on dirait. I used to go. Il va faire un pont là. Estelle, sortie dans mon petit t-shirt. Ok? Allez. Ça veut dire que je te fais comme ça là. Je te cambrer. Je te bouille cette CV. Là. Wow. Wow. Beauté. Beauté, beauty shot.
Cambrai, tu chattes Estelle, m'espérer te bien écouter. Cambrai, cambrai les deux. Cambrai les deux. Allez, correct. Comment faire? Envoie tes cheveux. Adieu, bon, j'ai comment dire. Estelle, toi, tu vous as fait devant. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé du monde? Picourit. Je les ai trouvés. Allez, Estelle, montre les autres comment elle pourrait t'aider. Aïda. Gaz, est-ce qu'on peut dire maintenant ce qu'on va manger? Non. Non, on va montrer. Anawel a concocté, a cuisiné un petit truc bien top. Allez, on va découvrir. Allez, Estelle. Bienvenue en direct de Lille-Auberge. Donc, Deptalela nous peut cause manger, parce que c'est celles affaires qui nous causaient tout le temps. Voilà. Et Deptalela, vous avez envie de dire qui nous peut manger? Allez, maintenant, nous avons dévoilé les affaires là. Vous êtes, je connais une plage, la petite barbecue. Ouais, souvent. Sandwich, oui, tout le temps. Comme ça. Ben, Zodi, nous pouvons manger une carré poule préparée par Anawel, dans cette salade, ce petit riz, petit lassé, petit setup, Marie-Cocasse. Marie-Top. J'ai trop faim, moi là. Est-ce que nous avons arrêté de causer et que c'est vif? Oui. Allez, c'est vif. Estelle, avant qu'il nous continue, Estelle, il a décidé. Sans qu'il y demande à Nawel ou bien qu'il y demande à O'Brien. Oui, quoi? L'in décidé qu'il lui bisait sa vie. Mais il tu m'as même... dit oui, sa vie. Mon pas propriété, ça, c'est ce là, moi. Pas fait ton problème, vite mon problème. Anawel peut dire oui, l'autre côté, ça veut dire c'est bon. Okay? Anawel est du monde qui soutirait. Les soutiens, Estelle. Estelle est la mauvaise manière. Allez, continue avec mon objet, toi. Depuis les commentaires, c'est continuer. Je suis content de demander à Nawel, au Brian, yes. Est-ce qu'il est capable de servir moi? Bien sûr. Il est capable de servir moi? Oui. Ok, désolé, vous pas me demander pardon, excusez-moi. Je vais m'asseoir. Oui, à la... La même. Tu peux assise. Tu peux assise dans ta place ou bien tu peux assise dans... Nawel, il dit qu'il est capable d'assiser dans les là. Je ne peux rien faire moi en fait, c'est ça? Non, t'es pas bon. Allez, j'attends qu'elles en goûtent ensemble. Non! Non! Tu ne demandes pas demande permis, c'est à toi de demander permis, c'est à toi de manger. Mangez, mon toi! Non, c'est faux, vas-y, mange. Parce que c'est en con chaud, là, vas-y. Pourquoi est-ce que aussi me manger, là? Mais non. Et vraiment, il mange, t'as? Hé! Et vraiment, il mange! Et là, du monde, c'est quelqu'un noir. Vas-y, Estelle, mange. Enjoy your meal, Estelle. Christophe, il me disait à moi, non mais il faut frais, manger, etc. C'est une chose que je fais. Pareil, comment il dit à moi, c'est vital, là. Après, il repose moi. Estelle, on a un truc spécial à dire à nos internautes. Oui! Allez, il y a deux. Alors, il y a quelqu'un, je ne me rappelle plus comment la personne s'appelle, mais qui a dit la semaine dernière, enfin, qui a commenté sur la vidéo de la semaine dernière en disant, ouais, vous êtes Marie fake, parce qu'il n'y a pas qu'à tout place de t'aller, comment dire, manger la Marie bon. Mais tout place doit aller manger là bon. On choisit ces endroits-là par exprès parce qu'ils veulent manger bon. On nous conseille ces bases-là parce qu'ils veulent manger maribon. Et surtout quand on arrive sur place, ben, on est hyper bien servi quoi. Est-ce qu'ils nous les a dans une place que dit pâti bon? Il n'y a pas eu. Donc c'est pas qu'on est fake, c'est que la bouffe est vraiment bonne. C'est super bon, hein, ouais. Maribon. Aïe, t'es fake. Pas capable, tu que c'est allé bon, non. C'est bon. Allez, bon appétit. Merci. C'est dégueulement comme ça, mais tu trouves également ce pigeon. Et bon, mais bon, c'est avec l'appétit à cause de ça, au fin, vous. Estelle peut enjoy ce bon dernier lâcher de poulet. Est-ce qu'ils ont comme à moi? Ils ont pas laissé aucun lacet à leurs histoires là? Parce que moi j'aime pas qu'on laisse beaucoup de poulet sur les os, donc des volis, c'est qu'à faire. Fait, caillou. Des poulets.
C'était ce repas-là, c'était bon. Est-ce que c'était bon ou pas? C'est vraiment c'était... bon. Il n'y a plus rien, Maurice. C'est bout de limon. C'est tout. Mon curry poulet, c'est tout resté. C'était bon. Et sa salade qui Anna Welling fait là, une vinaigrette là, qui t'y marie bon. Avec, avec tomate, papaye, concombre et laitue. Marie bon. D'une simplicité, mais c'était un bonheur. Vraiment un bonheur de manger ça. Avec sa lave-vue qui nous donne devant nous là. Puis la paix, ceux là à côté de nous là. L'île puis nous tousser les... Moi, Philippe Ozobana, ça n'a pas de problème. T'es mal contact. Mal contact, ça. En vrai, j'ai encore un peu faim, parce que mon mari gourmand. Mais vu qu'on va faire du snorkeling, je préfère ne pas trop manger. Il faut qu'on se dépêche, ça. En fait. Allez, allons. Allez. Nous continuer. On sort de l'île au BNH. Et à celle-là, nous prend la mer. Causez grand. On partout, bonhomme. Allez. Le large. Allez, non, allez. Alors, malgré que l'équipe de Letzi a un petit client après, mais on a pour faire, on a pour faire une petite nisase avec nous. On va partir en mer. On va partir renager un petit coup de snorkeling. Faire un petit peu de snorkeling. Si elle a le temps, on a pour tracer ses œufs tout de suite. Et franchement, ils sont marie gentils. Marie top. Marie gentil. Merci au Brian. Je te fais remarquer qu'il va te la faire bouger. C'est parce qu'il chalait avec Denis assis derrière. Ça peut faire le contrepoids. Je suis capable d'avoir ces intrigues plus devant. Messieurs, capable? Chalem, vous êtes d'accord? Comme si Chalem et Denis là? Oui. Merci. Finalement, c'est Christophe qui finit en mode sexy avec ça. Et moi, j'ai le petit pinceau toi. Fionta, je vais te reconnaître. Nous, moi, c'est Christophe. Moi, c'est Estelle. Allez. Quand va te l'arrêter, nous, allez, oui. Enjoy pendant très très longtemps parce que j'ai une fin de naissance, j'ai arrêté là. Parce mais qu'ils ont top. Un petit client après. Mais Marie top. Ouais. Pourquoi je suis soufflé comme ça? Moi aussi. Marie and fit, ça nous and fit, mesdames et messieurs. Non mais ce lait, Marie c'est y aider de la Marie bon. Et en plus, bon là il reste encore quelques temps pour l'été. Profitez, sautez à la mer, nager, prendre partout si vous êtes capable. Et profitez de Maurice quoi. Et si vous êtes en vie, encore une fois, si vous êtes en vie. Il y a une jolie petite excursion avec l'équipe méga top, avec un grand sourire, avec bon manger. Contactez Letzi avec monsieur O'Brien Ratna. Et avec Anawel. Avec Anawel aussi. Ouais, on a passé une super matinée avec eux, vraiment. Moi aussi, elles ne sont pas pour regretter. Canon. Ah, je m'ai vraiment essoufflé. Moi aussi. Ça, je t'ai dit, on lui a demandé, vous voulez remonter? Je me suis dit, ouais, je peux. Oui, on remonte. Il est plus capable là. Carré, vous pouvez remonter. Allez, nous, allez, vous. Youp. Yes. Est-ce qu'il m'a assez grand pour faire ça? Oui, mon pensée que oui. Merci. En tout cas, encore une fois, merci énormément à O'Brien et à Anawel, l'équipe de Letzi. On a passé un super moment. Super bon moment. À refaire. Les temps sont un peu chauds aujourd'hui. Une prochaine fois, nous ferons de la journée, nous battons de bis à fond. Non, pour Révini, nous en vie, Révini. Oui. On a eu beaucoup de chance avec le temps, donc merci. Bah là, tu connais, nous pouvons. Voilà, nous connaissons. Tu vas contact. Dans la nature, connais, nous pouvons venir à Kossem, le temps bon comme ça. Allez, nous tirons tout, continuer dans Calodine. Allez, non, allez, vas-y, Estelle. Allez, take care, les gars. Nous tirons tout, on peut continuer dans Calodine. Et vu qu'on était
on est very blessed aujourd'hui avec le temps. Limite trop, parce qu'il a levé pour se gagner ça, levé transpiré. Un petit peu hydraté aussi. Qui nous pense commencer là, devinez. Qui savait qui nous pense commencer là? Petit déjeuner, on a pris. Déjeuner, on a pris. Il manque quoi? Il manque dessert. Un petit dessert glacé. On a vu juste le mot glacier et là on est arrivé dans un endroit qui s'appelle Nanou. Et on va manger une petite glace, vous êtes. Allez, venez. Tu fais tellement bon devant Frisdel, comparé laisse-moi la même. Laisse-moi la même, va. La bonne chose aujourd'hui, vous autres, c'est que Estelle va payer. C'est Estelle qui va payer les produits aujourd'hui. Tu dis ça, on dirait que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, j'ai une affaire. Waouh. J'ai comme l'impression l'année prochaine, la même date, ce sera le jour férié. Et pour ça, merci. Me tirer 1% batterie, j'ai fait un transfert vite fait. Et me finissais mon pas pour payer effectivement avant un an à Stella. Ciao Macadamia. Ok. Chalem. Ciao. Strawberry cheesecake. Praline and cream. Quelle affaire? Mango raspberry, c'est le gros. Estelle n'a pas payé pour le gros, elle a payé pour le petit. Oui, voilà, pour ça container là, ok? Moi, cave. Moi, je prends strawberry cheesecake. Pareil. Strawberry, toi aussi, allez, attrape. Non, it's nice. T'es mon préféré, ça, mon moustache qui transpire. Oui, mais la moustache. La question est qui fait Estelle et une moustache? J'ai pile, mais j'ai l'impression de ne pas trop avoir épilé là. Et qui fait transpirer. Mais si tu lui sais, bonne bonne adresse, Bob. Moi, il a bonne bonne, Bob. Tu as quand même un style. Putain, bien, je pourrais faire ça. Hein. Tu vas te retourner là. En fait, le nom Estelle, c'est un nom de scène. Son vrai nom, c'est Doyo. Ramon! Ramon! Doyeux, Ramon! C'est comme ça que tu me priais, moi, c'était Doyeux! Ouais! Sinon, la glace là, Marie rentrée, vous êtes. Ah ouais! Oup. Ouais! Waouh! Cacalisé, mais il y a quelque chose là. Un cacaliné, peut-être une petite. C'est mon figure même ça. C'est caca en général. Ça, c'est cacaliné ça. Ça me rend un petit peu mal à l'aise, mais tu fais qu'allume caméra au moment où Estelle fait des man-man d'affaires gratuitement. Non! On adore la tranquillité de Calodine. Non, c'est faux. C'était hyper paisible. On a deux, trois trucs à visiter. Quand je dis deux, trois trucs, c'est un truc. C'est un truc. C'est une truc. On va laisser promener un petit peu à Calodine pour le rouler. Après, une fois arrêté que... Voilà, où le vent nous emporte aujourd'hui. Mais en tout cas, Estelle, ça veut dire Chalem, Denis, aujourd'hui, le 28 mars. 28 mars l'année prochaine, vous payez, correct? 28 mars l'année prochaine, non mais pas je vous paye. 28 mars l'année prochaine, vous pouvez payer à la plus haute. Allez. Là, on va faire plaisir aux amoureux des plantes, aux amoureux des fleurs, parce qu'on s'est arrêté à la pépinière Exotica, toujours à Calodine, bien entendu, donc on peut faire un petit détour. Et ici, c'est vraiment spécial. Déjà, ils font uniquement du bio. Alors, ils sont passés au bio, il n'y a pas de fertilisant chimique. What? Il y a aussi plus de 300 variétés de plantes, beaucoup plus, hein, beaucoup, beaucoup plus. Et ils se définissent comme étant un jardin pépinière, donc il n'est pas une pépinière normale. Hein. Vous pouvez trouver nous à l'endroit. Allez. T'as envie d'être? Allez, on y va. Allez, let's go. Au fait, ça, c'est l'adresse là, c'est un nouveau collègue qui nous donne ça. Non, we got ce anonymat. Ça commence, ce nom commence par mi, finit par gel. Voilà. Voilà. Mais nous pas pour dire ce nom.
blanc qui se capable de manger, il faut vraiment venir faire un tour. Et grande nouvelle, chaque mois, ils mettent 28 plantes en promo. Et chaque samedi, sur des produits spécifiques, ben voilà, il y a des promos, c'est affiché à l'entrée. Donc c'est top avant même d'entrer, mais je connais qui plante, qui a un prix un petit peu plus ouais. intéressant, on va dire. Et chaque mois, ben, il y a 28 plantes qui sont en promo. Eh ben mal. Check ça là, il a venu voir ça. It's very nice. Tellement c'est joli. Tellement c'est joli, il paraît de fausse. Et on nous a dit aussi à comparer aux autres pépinières. Ici, je préfère la variété voilà. au lieu de la quantité. Ils ne vont pas prendre une seule affaire, ils vont faire 300, 400 différents spécimens de ça. Voilà. Je préfère faire en petite quantité. Et avoir le choix. Voilà. Et ce qui est cool aussi, c'est que vous allez voir que c'est installé un peu partout parce qu'ils veulent vous donner visuellement. Qu'est-ce que ça peut voilà, donner chez vous? Qu'est-ce que ça peut vous? Donner chez vous? D'habitude, nous tous lisons d'un petit peu après ça même tout. Ben ici, regardez l'âge par exemple, qui est juste derrière. Ben ça, c'est pour vous montrer un petit peu ben, qu'est-ce que ça peut donner chez vous si vous mettez ça, ben voilà, si vous installez ça chez vous. Et après, la façon qu'ils ont une agence de jardin, si ils ont certaines plantes entre guillemets qui uniquement à l'ombre, eh bien, les poux dans l'ombre pour vous montrer exactement qu'est-ce que ça peut vous donner dans votre jardin. Génial! Venez voir ça. C'est juste magnifique. C'est marrant joli. C'est ce petit truc-là qui devient comme ça, là. Comment tu appelles ça? Les koalas grandissent. Estelle a appris quelque chose aujourd'hui. Regardez ça comme c'est joli. C'est magnifique. Et c'est, ben, je pense, ce petit truc-là qui devient aussi grand que ça. Et c'est super beau. C'est ce que j'aime ici. Il te montre quand cette histoire-là pour en floraison ou bien quand il pouvait une grande... Ah là, il a comment les pouvait dire. Ouais. Very nice. Ouais. Super beau. Regarde ça comme c'est joli, Tété. Ah, wow. Ça. Ouais, la couleur. Regarde ça. Wow. Regarde ça, jamais. Ce qui est cool en fait, déjà vous avez une équipe totalement dédiée aux plantes qui est là à votre écoute et qui peut vous aider, vous conseiller par rapport aux plantes que vous choisissez. Et après il y a des petits panneaux comme ça, par exemple là c'est réussir sa bouture de frangipanier et ça vous donne step by step, ben voilà comment faire pour qu'ils gagnent une jolie frangipanier côte zut. Et franchement les prix varient, hein. J'ai vu des trucs à 30 roupies et d'autres beaucoup plus. Avec des plantes bien connues, d'autres bien rock, ils n'aiment nous pas une trouver. Je suis vraiment impressionnée par cet endroit. Ça vaut le coup. Pour les amoureux des plantes, venez ici vous êtes. Moi, j'ai plus envie qu'une zone, hein, c'était... Bien rentré. Marie est rentrée. Ma peau commence à briller en vrai. Même si mon petite crème solaire qui Christophe il prête moi. Il pourra fraîcher là. Non mais il fait super beau ici. On a adoré être à Caloudine aujourd'hui, vraiment. Les gens sont super gentils surtout. On a passé. Accueillant, côté nous dans les Timarissailles. On a passé un bon petit moment dans Caloudine. Il est vrai, comme n'importe quel endroit qui nous allait. Nous rate ban base, nous pas qu'à tout faire. On peut pas tout faire. Voilà. Mais nous fait des trois petits bases qui bien essayés. Merci à tout ban base qui nous accueillait nous. Nous lisons un peu comme ça parce que le soleil en plein. Pourquoi on met jamais de lunettes de soleil? Parce que nous envie de montrer nous beauté. Ah oui, montrer nous jolie lisière. Gagne nous beauté comme ça. Non, mais merci à tout le monde. On a passé un super moment et une très très belle journée aujourd'hui. C'est tout pour un petit détour d'aujourd'hui. On est à la frontière de Grand Gobe là. Et j'espérais qu'il n'y a pas de problème de passeport dans sa frontière là. Non, c'est ok. C'est correct. Mais ça, la vue qui nous est devant nous là, vous êtes, c'est juste magnifique. Montrer chalem. Ah, Marie paisible. Je crois que c'est le mot que j'utiliserais pour définir Caloudine. Paisible? Ouais. C'était tranquille, paisible. Allons venir dans ce background paisible, là, comme ça on dit bye bye. Allez. Nous en avons fait un fachac. C'est tout pour un petit détour aujourd'hui. Plaisir d'avoir été des vôtres, comme d'habitude. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. On vous fait de gros bisous. Merci de nous suivre. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao!
c'est fake.